6 9 la matinale matin sport sport et l'actualité sportive c'est avec vous Ali Habouch comme tous les jeudis vendredis et samedi bonjour Ali bonjour Fatima. on commence avec du handisport plus précisément du goalball les sélections algériennes dames et messieurs sont à un match des Jeux paralympiques de Paris en effet, Fatima, les sélections algériennes, dames et messieurs de Gold Ball, affronteront aujourd'hui au Caire leur homologue égyptienne en finale du championnat d'Afrique des nations IBSA avec l'objectif de décrocher le billet qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Les dames, auteurs d'un parcours sans faute, face respectivement au Ghana euh, 10 buts à 0 et l'Egypte 12 buts à 2, dans un premier tournoi d'un euh, groupe unique de 3 sélections disputées en aller-retour. Affronteront donc la sélection égyptienne, vainqueur elle aussi du Ghana à deux reprises, 12 buts à 2 et 10 buts à 7. Les Algériens, dominatrices de la discipline sur le continent africain depuis 2015, donc partent largement favorites pour décrocher un billet qualificatif pour les Jeux paralympiques 2024. Par contre, l'équipe nationale algérienne, messieurs, sera mise à rude épreuve face à l'Égypte, vainqueur de deux matchs de poule, 10-3 et 12-5. Si les Algériens enregistraient une seule défaite lors du premier tour, les Égyptiens ont par contre remporté tous leurs matchs. À l'instar des dames, l'équipe algérienne, messieurs, a de fortes chances de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et en handball à Hamouch, la sélection nationale féminine concède sa deuxième défaite au tournoi du Caire. La sélection nationale féminine, malheureusement, de handball s'est inclinée pour sa deuxième sortie en amicale hier soir face à la République du Congo sur le score de 32 à 20, une rencontre qui s'est jouée dans la ville du Caire en Égypte. Les camarades de la capitaine Nerima Gabo disputeront un dernier match ce vendredi à partir de 14h. Face à l'équipe égyptienne des moins de 20 ans, en clôture de, en clôture, pardon, de ce tournoi international des quatre nations, l'objectif du sélectionneur national Riyad Oulman est de mettre en place l'ossature de l'équipe à une année du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie. En basketball, la sélection algérienne masculine entame son stage en Turquie. La sélection nationale de basketball, messieurs, s'est envolée hier soir à destination de la Turquie pour un stage de préparation de 10 jours qui s'étalera jusqu'au 24 décembre en prévision de sa participation à la 25e édition du championnat arabe de basketball prévu du 26 décembre au 3 janvier 2024 en Égypte. On rappellera que lors de la dernière édition disputée aux Émirats arabes unis en 2022, l'Algérie avait terminé à la troisième place. Sur ce stage, on va écouter le sélectionneur national de basketball, Ahmed Ben Il a été contacté par Rostam et Un stage très compétitif Inch'Allah, on sera au rendez-vous pour bien préparer. C'est une opportunité de bien travailler, surtout avec la nouvelle génération d'équipe. Elle une renouvelée à 70%. Il y a uniquement Dertwati et Dakesh qui sont les ossateurs de l'équipe. Le 17, on a un match contre la sélection américaine qui évolue en super division en Turquie. On a un match le 19, et le 20 et le 21. On a suffisamment de matchs. C'était donc Beni Abou, le sélectionneur national de basketball. Outre l'Algérie et l'Égypte, cinq autres sélections arabes prendront part à l'édition 2023. Il s'agit du Koweït, les Émirats arabes unis, la Mauritanie, la Libye et le Maroc. D'autres pays devraient annoncer incessamment leur participation à cette compétition qui se déroule chaque année depuis 2007. La 24e édition qui s'est déroulée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été remportée par le Liban pour la première fois de son histoire en battant en finale la Tunisie. 72 à 69 Et cette bonne nouvelle, allahoumouche, pour les judokas algériens qui pourraient être plus nombreux aux Jeux olympiques de Paris. Absolument, Fatima. Donc c'est une bonne nouvelle pour le judo algérien. Le nombre de judokas qui représenteront l'Algérie aux Jeux olympiques de Paris 2024 pourrait être plus important. Jusqu'à ce jour, on sait que deux judokas seulement sont qualifiés pour les prochains euh, JO, à commencer par Deïs Moussaoud, dans la catégorie de 73 kg. Lui, il est qualifié directement puisqu'il est 17e au ranking olympique, alors que Amina Abdelkadi sa coéquipée en équipe nationale dans la catégorie des 63 kg. Elle bénéficie d'une place dans le quota, euh, accordé, euh, quota accordé par le comité olympique international au continent africain. Toutefois, si d'ici le mois de Amin Abel reprend sa place parmi les 18. Ils seront au nombre de trois avec Mustafa Yasser Bouammar. Mais euh, depuis euh, hier, il y a une nouvelle disposition de la Fédération Internationale de Judo, comme nous l'explique euh, Abdelmalek Moufak le directeur technique national de judo de la Fédération euh, nationale algérienne. On a reçu une correspondance hier en fin de journée de la part de l'Afrique fiche où il y a eu du nouveau par rapport à la qualification de la compétition par équipe mixte pour les prochains jeux. Donc, en gros, la meilleure équipe continentale sera qualifiée automatiquement dans cette compétition. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Algérie en par équipe mixte, est en première position. Donc, il faut la prochaine compétition par équipe mixte et les prochains championnats d'Afrique qui auront lieu en avril en Égypte. Donc, l'objectif est très simple, c'est de garder notre titre de champion d'Afrique par équipe. La balle est dans notre camp. Il faudra qu'on travaille, qu'on prépare la meilleure équipe possible. L'autre chose qui est bénéfique, c'est que les athlètes qui composeront cette équipe mixte, même s'ils ne sont pas qualifiés directement dans leur catégorie respective en individuel, seront cette fois-ci qualifiés par le biais de la qualification de la compétition par équipe. C'était donc le directeur technique national de judo. Donc, un titre africain par équipe mixte est une condition sine qua non si nos judokas judoka, veulent être plus nombreux aux Jeux olympiques de Paris. Et on va parler également de futsal avec la double confrontation amicale entre l'Algérie et la République dominicaine qui a été délocalisée à Ali. Absolument, Fatima, la double confrontation amicale entre l'équipe nationale algérienne de futsal et son homologue de. De la République dominicaine, initialement prévue euh, au niveau de la salle Harsha Hassan, a été finalement délocalisée euh, au niveau de la salle Ouina de l'Asho. Ça sera le 15 et 16 décembre, donc ce week-end, euh, donc à partir de 19h. Cette série de matchs amicaux sera certainement une occasion. Très attendu pour le sélectionneur national Nordine Ben rouge de se mesurer à une sélection internationale et d'ajuster ses tactiques en vue de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024. Donc, on rappellera que le tirage au sort pour déterminer le calendrier des éliminatoires de la Cannes 2024 de futsal. Aura lieu au cours de la dernière semaine du mois de décembre. Huit nations seront qualifiées pour la phase finale prévue au mois d'avril 2024 dans un pays qui reste à déterminer après le retrait du Mozambique de son organisation. Outre l'Algérie, la liste des sélections concernées par les éliminatoires se compose de l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le, le, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie. Et on va parler tout de suite de la Champions League européenne. Et et vous avez tous reconnu le célèbre hymne bah, de la oui. Ligue des Champions, la plus célèbre des compétitions de football interclub. Donc hier, c'était la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de matchs très intenses comme ce match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur un score de parité. Un but partout et le Paris Saint-Germain qui s'est fait peur, euh, qui aurait pu rater une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais finalement le Paris Saint-Germain s'en sort euh, très bien en arrachant sa qualification après ce but égalisateur signé euh, donc euh, par euh, donc ce but égalisateur et euh, l'international algérien Ami ben il faut signaler, qui a joué tout le match et qui a été derrière le premier but de Dortmund. Euh, puisque Dortmund avait ouvert la marque. Et dans l'autre match de ce groupe F, le Milan AC est allé s'imposer en Angleterre face à Newcastle, 2 buts à 1. Smaïd Benassar, bien évidemment, n'a pas été retenu pour cette rencontre, puisqu'il ne figure pas sur la liste européenne. Suite à sa blessure, Newcastle qui perd euh, tout puisqu'il n'est pas qualifié pour l'Europa League. C'est là, Minon qui jouera euh, le match des, euh, des de l'Europa League. Dans le groupe E, l'Atletico Madrid s'est imposé à domicile à l'Azio la de Rome. Deux buts à 0 Et le Celtic Glasgow qui a battu fait une ordre de buts à 1 Donc Ramiz Bzerori qui a joué toute la rencontre avec son club fait une ordre Et fait une autre qui disputera euh, les huitièmes de finale de l'Europa League dans le groupe G l'étoile rouge de Belgrade a battu, plutôt a concédé une défaite à domicile face au tenant du titre Manchester City Manchester City qui réalise un carton plein dans cette phase de poule et dans le même groupe le RB Leipzig le groupe donc a battu les suisses des Young Boys 2 buts à 1 et enfin dans le groupe H le Shakhtar Donetsk a été battu par Porto 5 buts à 3 c'est la rencontre la plus prolifique de cette phase de groupe. Et enfin, le FC Barcelone qui s'est incliné. Euh, trois buts à deux face aux Belges d'Antwerp, le FC Barcelone qualifié ainsi que Porto et le Shakhtar Donetsk qui disputera l'Europa League. Et ce soir, il y aura euh, l'Europa League, justement la sixième journée de la phase de poule avec plusieurs Algériens qui seront sur le terrain. à commencer par Saïd Rahman avec West Ham qui affrontera Fribourg. Mohamed Amin Amouara avec l'Union Saint-Géloise, le club belge qui recevra Liverpool. Et Rennes où évolue Amine Guiri qui recevra via Real. Allez, on va terminer Ali Hamouche, votre journal sportif, avec le chiffre du jour ou plutôt les chiffres du jour parce que là, je vois que vous m'avez ramené trois chiffres. Donc vous avez ramené 27, 40 et 17 ans. C'est ça, donc 27 ans, 40 ans et 17 ans et 280 jours. J'avoue que c'est compliqué, je n'ai pas bien compris. <laughs> c'est un peu compliqué, donc euh, on va bien l'expliquer. On va commencer par le chiffre 27. Donc, Donc 27 ans. Euh, non. Ah d'accord. 27, 27 c'est le nombre de fois oui. où c'est qualifié le Real Madrid pour les huitièmes de finale et c'est de manière successive. Donc le Real Madrid va jouer les huitièmes de finale pour la 27e fois consécutivement. Consécutive. Le chiffre 40, donc ce n'est pas l'âge, mais c'est euh, ce que ré réalisait le Bayern de Munich qui a bouclé 6 ans d'invincibilité en phase de poule de la Ligue des Champions. Le Bayern reste sur une série de 40 matchs. De suite, sans la moindre défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. Un record inédit pour euh, le club munichois, dont la dernière défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions remonte au 27 septembre 2017. C'était au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain. Et le dernier chiffre du jour, 17 ans et 280 jours, c'est l'âge de Zahir Emery, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a inscrit le but égalisateur hier face à Dortmund, qui devient tout simplement. Le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, devançant un certain Karim Benzema et Kylian Mbappé troisième sur le podium de la précocité. Pardon. Merci beaucoup, Ali Hamouch. C'était donc Matin Sport. Ali, on vous retrouvera demain, Inch'Allah, 7h15 et 8h15. Vous allez nous ramener plein d'informations sportives, mais c'est aussi plein de chiffres du jour. On l'espère. Ça sera la même chose demain, trois chiffres Non, il n'y aura qu'un seul demain. <laughs> Très bien, merci beaucoup, Ali Hamouch.